Attentat de Paris. Cérémonie de recueillement à la résidence de France. L'émotion se lisait sur le visage des ressortissants français hier à Ivanch, dans l'enceinte de la résidence de France. Les officiels malgaches, notamment la délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre d'État Rivra Kutvao, assurant l'intérim du Premier ministre, étaient présents à cette occasion. Celui-ci a porté le message de réconfort au peuple français et de condoléances aux familles des victimes au nom du président de la République malagasy. La réunion d'aujourd'hui, c'est une manière pour la communauté française d'être ensemble, de se sentir soutenue, parce que quand on est choqué, comme l'a été par ces terribles événements, le fait de se retrouver et de manifester, de commémorer ensemble, c'est extrêmement important. Le fait que de nombreux membres du gouvernement malgache aient été là est aussi très important, parce que les Français de Madagascar vivent dans ce pays parfois depuis très longtemps, et le soutien des autorités, c'est évidemment quelque chose d'important. En ce qui concerne Madagascar, l'ambassadeur de France a tenu à saluer les actions des autorités malgaches dans la sécurisation des sites français sur l'ensemble du territoire national, tant dans la capitale que dans les provinces. Les représentations consulaires françaises sur l'ensemble du territoire malgache ont organisé simultanément une cérémonie de recueillement. Une minute de silence a été observée hier en hommage aux victimes des attentats.